ainsi que la quadrilla R reprendront place dans Camille Courte. Voici l'ordre de passage des coursières dans cette seconde partie de course. La baisse des côtés aussi, ça va attaquer très très fort. En 1, Nadal. En 2, Rumontoise. En 3, Liston, réservé pour les sauteurs. En 4, Duchesse. En 5, Réaliste. Et en 6 aussi, c'est une excellente nouvelle. On aura la corde d'or, la coursière Brocaline, avant d'attaquer cette seconde partie de course la baisse. En effet, il a passé bien sûr les 80 ans. Il a toute cette grande connaissance et surtout l'amour pour la course la baisse. On va applaudir bien fort Monsieur Michel Arruna. Première coursière pour attaquer cette seconde partie de course landaise, la coursière Nadal. Alors, coursière qui est sponsorisée par la boucherie charcuterie Artigolo et notre entreprise de charpente, la marque Chamba. Et on voit aussi que c'est tout simplement l'écarteur apparemment, Fabien Gontierreux, qui va venir attaquer le coursière Nadal à la sortie de l'ange. Attention, regardez bien. Il est d'ailleurs du même village que Fabien. C'est Nancy Carter qui nous vient de Montgaillard. Et bien sûr, on est très heureux de le compter parmi nous cet après-midi. Le brindis pour Jean-Claude Daïri. Donc Fabien, on peut dire c'est vraiment le brindis du cœur. J'étais fan de lui aussi lorsqu'il était écarteur. Alors Jean-Claude, regardez bien, cette attaque est pour toi. Oh, il est gâté pipi sur cette attaque. Très sincère de nouveau. Et donc Jean-Claude Daïri, tu vois. Fabien, pour toi, il te fait parvenir une prime de 5 euros. Et ce sera donc le cinquième départ de la coursière Nadal.
de ce Bernard Esbarer à Montreux, 10 euros de prix. Et dans l'Est de l'Océan, Serge Car, une nouvelle fois nous préparer la poussière. C'est pour madame Aimée Laborde. Et monsieur Michel Duprat, donc de Fargue, 5 de mieux pour toi, Fabien. Ah, il se prépare aussi le terrain à l'écarteur Fabien Gontero qui tournera pour la 7e fois. Allez, on tape tous les fonds des mers. Ami public accompagné de Rose Caisse. L'écarteur Fabien Gontero, très régulier. Regardez bien. Oh, toujours très à l'aise Fabien Gontero. Il restera bien sûr une attaque à effectuer d'ailleurs. Aimé d'abord de 5 de prime pour Fabien. 5 de prime pour Fabien et 5 de prime pour aujourd'hui Bernard Lance. Il prépare la conclusion Fabien Gontero. Je vous laisse écouter cette musique pour clore la sortie. Les résultats concernant cette sortie de Nathan pour le travail 20.625. 6 points pour la coursière, ce qui nous fait un total de 26.625. Et donc bien sûr on prépare la deuxième coursière, la coursière brumontoise qui est sponsorisée par la boulangerie Boucher, également par l'entreprise Carrefour Saint-Sever. Et dans ces gens du Casso aussi qui va venir débuter cette coursière. Et dans le conseil municipal aussi, d'ailleurs, mon cube fait parvenir une prime spéciale de 490 euros. La sensation. Et alors là, ce sera la deuxième coursière, la coursière brumontoise. Mais également aussi, monsieur le maire d'Yves Mancube, 50 euros de prime pour la musique et 30 euros de prime pour tous les hommes blancs. Alors avant de lancer la musique aussi, il y a également 42 ans que monsieur Daniel Ducournau contactait Daniel Lafargue pour venir ici
à Aero Man Cube, 42 ans de fidélité. Ça mérite vraiment des applaudissements de Daniel. Du coup, nous, on vaut une prime de 10 euros. Et donc Daniel Ducourneau, par contre, annonce 10 de mieux, c'est 20 euros pour la musique. Voilà. Et donc ça y est, on apprécie tout simplement la première attaque de Jean Ducafou devant la coursière Rue Montoise.
veux pour un petit bien supplémentaire, car cet écart est pour lui. Wow. Alors, c'est aussi bien sûr direct de la Bourse Hollandaise. Et nous les remercions de nouveau pour la tête de ces générosité de la co-présidente Lucie Darbens. 10 de prix pour tous les musiciens. La salle de Jean Ducasseau et monsieur le maire des Romans Cube, Jean Fourpeau aussi, qui a apprécié largement cette écart fait par venir une prime. D'ailleurs, de 5 euros, c'était d'ailleurs le troisième écart de Jean Ducasseau. Monsieur Daniel Ducournon à Romans Cube, vert. Michel Menquiet à Codure, vert. Claudine Menquiet à Codure, vert. Michel Hontan à Romans Cube, 25. Bernard Lafitte à Romans Cube, vert. Thierry Charrière à Dume, 15 euros. Daniel Batz à Romans Cube, vert. Le comité de miniature sans sa présidente Sandrine Darac, 6 euros de prime. Alors, ça aussi, vous avez compris le relais. Dans la sortie aussi qui se concerte avec Claudine Bernard Lansamar, c'est Mathieu Noguès qui va venir attaquer la Coursia. Le comité des fêtes de Bados, vert. Clément Lafitte, président du comité des fêtes de Bados, vert. Romain Barouillet, Thaï Romain Cube, vert. Sébastien Coste doit s'accourir 16 euros. Ah, ce qu'on appelle aussi l'attaque de Mathieu Noguès. Sébastien Gossoir à coup dur, 16 ans bien pour le comité. Johan Gardès, le grand tour marche de Dume, 20 ans. Madame Joanne Saint-Lézé Aïr, vert. Patrick Vigne, le tour marche de Bados, vert. Marie-Lise Batz à Aïr, Romans Cube, 20 euros. Philippe Labadie à Noisy, vert.
et dans Mathieu qui tournera déjà pour la troisième fois dans la coursière brumontoise. Allez Mathieu. Oh, l'attaque de Mathieu Noguès. Le club touré d'Aubagnat vers de Vincent D'Artos, maire de Aubagnat vers Madame Fabienne Dutoyer, présidente des amis de Courtaise de Aubagnat vers petit problème de sonorisation. Également les également les tournois de la Tumanda à Mont-de-Marsan pour le porte-drapeau de Fartois, 22 000. Et lui aussi, Jean-Luc Arceau, ce sera pour Alexandre Larazé. Et on le sait aussi, bien sûr, qu'il répare très souvent les acteurs de la course hollandaise. Et on connaît bien sûr la gentillesse de notre compère Alex, Alain Dehaes pour le sauteur Pina Ribeiro de Prima. Madame Pauline Batz, aéroport cube, vert. Alors si on peut avoir peut-être la sonorisation, merci. Mais c'est ça aussi une idée de la course hollandaise. Et donc Jean Ducasso qui se prépare. Ah, l'attaque pour Alexandre. Rasé, donc tu vois Jean. Alex pour toi, 5 de prime. Et de nouveau aussi les applaudissements pour la sainte Cécile de Loisy. Donc Elliot aussi nous fait dire pas de saut d'essai, il rentrera directement dans la compétition dans cette coursière qui est sponsorisée par l'entreprise Dupuis Emballage, également par l'entreprise Zaza Terrassement Cuisto, également Grand Romanche originaire de Sarrazine. On sait aussi souvent que le dimanche soir, Zaza passe une excellente soirée ici du côté des Hydro-Bancure. Alors, la résultat concernant la sortie de Brumontoise pour le travail, 21,125. 5,375 pour la poussière, ce qui nous fait un total de 26,50. Le garage du Car. À jaune, 30 euros de prime, monsieur et madame Lamotte à Orthès, vers le comité des fêtes de Sainte-Colombe, 16, Benoît Dubroca à Sarrazine, 15, le comité des fêtes de Arbocade, 16, Jacques Dodignon à Benkin, 20 euros, on prépare bien sûr le premier saut pour le sauteur Elliot Costa. Ah, le saut de l'ange d'Eliot aussi qui est rentré directement dans la compétition. Philippe et Sandrine Descanso à Eros sur la bourre, 40 euros de prime. Odile Dubroca à Sarrazine, 15 euros. Thank you.
la sortie. Je pense que ça vous réveille ici. Pour la sainte Cécile de Lozite. Allez, les autres aussi qui préparent la conclusion avec le saut de l'ange. Toute la panoplie des sauts, bien sûr, a été effectuée. On va tout simplement rentrer la coursière dans sa loge. Alors, sans oublier également le grand rendez-vous tauromachique du côté de Saint-Louis le samedi 7 septembre à 18h, une course landaise contemple le challenge Land-Béarn avec la galerie Davis et la quadrille de Romain Clavé. Le lendemain, le dimanche 8 septembre à 10h45, une course landaise aussi pour la compétition avec la galerie Armagnacaise et la quadrille de Vincent Muras. L'après-midi à 17h, une nouvelle course pour la compétition avec la galerie d'Argelos et la quadrille d'Alexandre Luther. Un grand rendez-vous tauromachique. Elliot Corse qui va venir à mi public vous saluer ici au centre de la piste. Et avant de préparer donc la coursière Duchesse, voici les résultats concernant la sortie de Liston. Pour le travail, 25,75. 7,25 pour la coursière, ce qui nous fait un total de 33 points. C'est dans la première sortie qui sera retenue pour la compétition. On va applaudir tout de même le sauteur Elliot Costa. Et donc, Théo Fartois t'a fait parvenir 10 euros de prime pour tous les musiciens de la Sainte-Cécile de Lozite. Et donc, voici la coursière Duchesse qui va tout simplement venir fouler le sable ici de cette piste. Et Oise également, cette coursière qui sera retenue pour le trophée Chayangite, qui est le classement individuel des matchs de course landaise sur l'année. Et ce trophée, bien sûr, qui est parrainé par l'Union des clubs taurins de France et son président, Gérard Subercico. Et vous l'avez compris, s'avance d'un pas décidé le chef de quadrilla, Cyril Dunoux. Monsieur Christian Zay, le maire honoraire de Sarancietz, vers Monsieur Jean-Jacques Dariotor, Aïr, 22 prime. Allez, on l'a. Il annonce la couleur de la sortie. On va l'applaudir d'une nouvelle fois le chef de quadrilla. Monsieur le maire Bernard Labadie, 5-2 prime. Attention aussi, ça va le mettre en grande confiance à Cyril Dunon, c'est certain. Et donc le tourmache Alexa, la race des pour toi, tu vois Cyril, 5-2 mieux. Très bon.
convaincu de telles coursières se replacer. Ça demande du métier pour Solandaise, Jean-Marc. Bougnon pour toi, Cyril. 7 de prime. Et on sait aussi que Jean-Marc Bougnon est un jeune coursier. Il a pris cette année, pour la 55e fois, la carte jeu de coursage. On est aussi pour passer un bon moment pour Solandaise. Cette coursière du chef avant de la rentrer aussi dans sa loge. Ah, il se motive, le chef de quadrilla, Cyril Dunon. Allez, on va tous taper bien fort des mains aussi pour le chef de quadrilla. Avec la grosse caisse, vraiment, ce serait parfait. Ah, il le mérite bien, Cyril Dunon. Amis publics, c'est à vous. Alors, ce sont des choses qui arrivent. Ce sera que partie remise, monsieur Jean-Jacques. Dario Thor, Aïre Mon Cube, vert. Madame Monique Olivier, sénatrice des Landes, vers M. Jean-Jacques Olivier en Magna, 16. Qui réagit. Il prépare la conclusion, le chef de quadrilla. Cyril Dunon pour vous, mesdames, pour vous, mesdemoiselles, pour vous, messieurs. Thank you.
Les applaudissements de nouveau pour la cette Cécile de Dozit, on va tranquillement rentrer la coursière dans sa loge, M. Philippe Cando, entreprise de travaux agricoles et terrassement sérieux. 16, M. Stéphane Carcin, président du comité régional de Berne, également du comité des fêtes de Saint-Bané. 16 euros de prix, on va demander au chef de quadrille, bien sûr, on va y joindre le cordier Bernard Lansamant pour applaudir, bien sûr, cette sortie, sans oublier également Kevin Ribeiro, les remerciements pour ces trois acteurs. Et donc, voici les résultats concernant la sortie. Pour le travail, 31,875. 5,50 pour la coursière, ce qui nous fait un total de 37,375. On peut applaudir bien fort cette sortie. On prépare l'avant-dernière coursière de l'après-midi. La coursière réaliste aussi qui sera reconnue pour le Professionnel Gîte, parrainé par l'Union des clubs taurins de France. Le comité des fêtes de Saint-Mané, 16. Michel Lafenêtre, maire de Técourade, vers Mathieu Gardiens, entreprise Stop Insectes à Sainte-Colombe, ancien carteur l'année aussi que je salue, avec grand plaisir, 22 primes. Le comité des fêtes de Coudure, 16, les employés communaux d'Aïre-Montcube ont fait parvenir une prime de 30 euros. Apparemment, M. le maire vous laissera 2 jours de congé à l'issue des fêtes. Voilà, c'est parfait. Alors, c'est aussi les carteurs Fabien Gontero qui va venir débuter la coursière réaliste. Céline Bergeras, également ma France Autruchat à Aïre-Montcube, 30 euros, M. Michel Bergeras. À coup dur 15. Ah, la première attaque dessinée de Fabien Gontero. Michel Vergeras à coup dur 15. Monsieur André Lupiéton, sérieux pour toute la quadrilla. Ancien pointeur de course à l'aise du milieu pour les intimes. 15 euros de plus. Et Lionel Escoulier à Saint-Sauvé, ancien carteur, 22. Heureux de le compter parmi nous, il est placé sur le côté. C'est le vrai 10 pour Mathieu Gardès. Alors, on remonte déjà il y a quelques années en arrière à la course de la Oh, il est gâté d'ailleurs, Mathieu. Et donc, tu vois, Fabien, ton ami Mathieu Gardès pour toi, 5 de prime. Allez, j'ai le souci, savourer la musique. Attention. Oh, mais quoi, vous dites? Quoi, vous
courir sur ses attaques. Et quelque chose aussi d'extraordinaire, on connaît la simplicité de Fabien Gontero, une famille de trois frères écarteurs. Aussi un supporter de l'Olympique de Marseille, de la Canadienne de Michel Aguilar. Merci Kevin. Alors là, quelle attaque! Le comportement aussi de la poussière du Canadien, Michel Aguilar. Écart de Fabien Gontero. Les applaudissements pour tous les musiciens de la Sainte-Cécile de Loisine. Merci Aurélie. On se régale avec ce magnifique répertoire aussi pour conduire tous les acteurs de la quadrilla de Siri Dunon. Monsieur René Dupuy à Vielle-Tursa, 15, le comité des fêtes de Saint-Thiago, 15. Jean-Michel Alan, maire de classeur, 20. Michel Duprat, mon souhait, 16 euros. Allez, à but public qui le mérite bien. On tape tous bien fort les mains pour Fabien Gontero, accompagné de ce qu'il si le mérite. Oh, toujours très généreux. Et donc, il faudra tourner encore deux fois devant cette sérieuse coursière réaliste avant qu'elle regagne sa loge. Zaza Terrassement, aussi pour l'entreprise L'Escoumer, entreprise de Charpente aussi, qu'on salue avec grand plaisir. Ah Fabien, je te laisse écouter cette musique. Allez Fabien. On va l'applaudir bien fort à Fabien Gontero. Ah, il veut y mettre le paquet aussi dans la sortie. Fabien Gontero, bien sûr, le cordier Bernard Lansama. Et donc, amis publics, mon message est très simple. Si vous avez apprécié la sortie, vous savez ce qu'il vous reste à faire au salut de ces deux grands acteurs. Écoutez bien les résultats concernant la sortie avant de préparer l'ultime coursière de l'après-midi. Voici les résultats concernant la sortie de réaliste. Pour le travail
24.625. 7.375 pour la coursière, ce qui nous fait un total de 32 points avec un Bernard Huguet qui sera retenu, bien sûr, pour le trophée Bernard Huguet. Le trophée de la qualité, on va le produire bien fort une nouvelle fois. Allez, Carter Fabien, Gontero. Excellente nouvelle aussi pour cette course landaise cet après-midi. La générosité aussi du Granadero Michel Aguina qui se produit aujourd'hui pour la première fois hier au Mancube. Elle est là pour vous, mesdames, pour vous, mesdemoiselles, pour messieurs, la Corne d'Or Brocadine. On peut applaudir bien fort, d'ailleurs, Michel Aguina. Et donc, ça y est, ce sera l'ultime coursière de l'après-midi. Et oui, coursière aussi qui sera retenue pour le trophée Challengite parrainé par l'Union des Cup Touring de France. Et c'est tout simplement avec Carter Gauthier, la Veillerie aussi qui annonce le final dans cette course landaise. Monsieur Jean Lafitte, maire d'Arboucave, vers Monsieur Yves Bonnior à Ville-Cursa, 15, Francis Postis à Saint-Sevé, vers Anne-Marie Dupont et Aïroban Cube, vers le club terrain du PSK Hôtel Sébastien, Lalanne, 20 euros de prime qu'on salue aussi avec plaisir. Voici le premier écart de Gauthier Labeille. L'ambiance qui va redémarrer pour accompagner Gauthier, la Veillerie, M. Jean-Marc Buffomène, Aéromont Cube, 20 primes. Ouais, ah, quelle attaque!
Mangos, Véro de Coulune, 5 de Prima, Alexandre Arrasé, 5 de mieux. Ça mérite des applaudissements supplémentaires. Monsieur Jean-Michel Alain-Mer, de classeur, 5 de mieux, Cadeau, Sous Cordier, Bernard, Lansama, tout y était sur cette attaque. Et monsieur Michel, on t'a aussi rendu au marche 5 de mieux pour le Cordier Bernard, Lansama. Ah, il serrait là aussi les cartes Routier Avery. Il tournera pour la 6e fois. Le Brédis du cœur aussi, c'est pour la famille du casse Brédis de Routier Avery. De nouveau de Routier. Il serre les dents aussi. Et donc Routier, la famille du casse 10 de prime pour toi. Magnifique musique pour le 7e écart de Gontier la mairie. Sur le grand saut de nouveau. Électricité pour l'entreprise Groupama à Saint-Sauveur. Et bien sûr, je rappelle ici au centre de la piste Kevin Ribeiro, Gontier Meiri, David Laplace, Bernard Lansama, Serge Ka également, Nicolas Gachi. Ah, quelle sortie aussi pour clore ce spectacle de course landais.
Excellente nouvelle aussi pour Gauthier Labeyri. Un des cas sont retenus pour le trophée bien arrivé. Le trophée de la qualité au Papa Guérin fort. Une nouvelle fois, l'écarteur Gauthier Labeyri. Alors, il reste encore 10 petites primes à vous annoncer tranquillement, le temps de laisser le soir aux acteurs de récupérer. Benoît Benki est en coup dur, 20 euros. Le comité des fêtes de Pécorade de 16, Lucie Darmesco, présidente du comité des fêtes de Haïr, vers Michel Daïr Monsoué, vers Alexandre Larazère, Saint-Sauvé, vers le comité des fêtes de Droisite, 15, monsieur, madame André Marie-Claude Tassier, Boucave, 40 euros de prime. Monsieur Jean Lalanne, prince du micro, aussi en course landaise du club de du Pesquet, qu'on salue avec grand plaisir. Une prime spéciale de 30 euros. Zaza et Aliette Laferrère à Haïr, 30. Le Galaja, Chénon, Nicolas Iromont Cube, 15. Francis Véguerie, Dikiri Iromont Cube, vers Régine Fruet Audignon, 16. Alexandre Yotor à Haïr, 5 euros. Manuel Amot à Haïr, 5 également. Didier Dupuy à Sarrazine, 20 euros de prime. Merci bien sûr à tous ces généreux donateurs. Avant donc bien sûr de lancer le passeo de clôture, c'était d'ailleurs leur 42e année de fidélité. Vraiment, on se régale. On va applaudir bien fort la graduation pour la Sainte Cécile de Noisy, direction Aurélie Lacolle et Annelise de Lacolle. Merci. Vraiment, c'est une nouvelle fois parfaitement bien régalé. Et donc, bien sûr, on va leur demander un dernier effort en route de la marche casérienne, la marche des écarteurs l'année pour accompagner la quadrilla de Cyril Dunon. En avant, la musique. Remise des prix, donc bien sûr tout de suite les résultats concernant la sortie de Brocaline aussi, donc Bernard Gué bien sûr pour les cartes Gauthier Labeyri, un saut également qui sera retenu pour la compétition. Pour le travail, 27,50, 8 points pour la coursière, ce qui nous fait une sortie à 35,50. On peut applaudir bien fort les cartes Gauthier Labeyri. Cet après-midi, la quadrilla de Cyril Dunon obtient un score final de 350 points, 375 plus 5 points de bonus temps, ce qui nous fait un score final de 355 points, 375. On peut les applaudir bien fort aussi. C'était le grand premier ici pour les fêtes de Aéroman Cube. Cet après-midi aussi, incontestablement classé premier à l'escalotte, je vous le disais, prometteur aussi, avec une moyenne de 3,976. Il va monter ici à l'escalotte l'écarteur Fabien Gontero. Et c'est tout simplement monsieur le maire du village, Bernard Lavalli, d'ailleurs, qui va lui remettre un bon pour deux repas chez Jacques et Ami de Maître à l'hôtel-restaurant des Lacs d'Alco à Agenou. Attention à l'escalon. Voilà, bien aussi.
aussi qui vient sécuriser son copain car ils en ont beaucoup besoin aussi. Ah, il serait donc, si vous le voyez, les carteurs Fabien Gontero, il mérite bien sûr une très très grande ovation. Et donc cet après-midi, il y a un second écarteur qui a été classé ici à l'escalote avec une moyenne de 3,865. L'écarteur Gauthier Lamayri qui va saluer. Car on me fait dire que le rugby des prix se fera ensuite du côté du Vendôme. Et donc, bien sûr aussi. Et donc pas mal de vendeurs qui sera effectué ici sous le chapiteau en habit de lumière également pour la traditionnelle remise des prix. C'est maintenant le salut final de toute la quadrille de Cyril Dunon. Et merci également au métier de l'ombre en course landaise. Merci aux trois marchés de service. Christian Léglise, Philippe Léglise, également Laurent Jeuncamp. Et également Monto aussi qui vous donne rendez-vous le dimanche 1er septembre d'ailleurs à 17h pour une course landaise. Compte après le chargement de Berne, la quadrilla de Cyril Dunon, également hors sérieux, qui donnera rendez-vous le samedi 14 septembre, d'ailleurs à 17h aussi pour une course landaise, pour clore la compétition édition 2024 avec la Ganderia d'Argelos et la quadrilla d'Alexandre Dutel. Merci également à tous les médias qui s'étaient déplacés cet après-midi ici à Hirondocube. Merci également à cette excellente sonorisation de Caribbean Sounds. Et quant à moi, j'ai l'habitude aussi de dire à l'issue de tous les spectacles de course landaise, à Dichas, à tout le monde et surtout, où de reste.